Salut à toutes et à tous, c'est Inkycraft. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 2 de notre fan game sur Adventure Time. Alors petit récapitulatif de ce qu'on a pu faire donc à l'épisode 1. Eh bien à l'épisode 1, on a pu récupérer donc notre première arme, pardon, qu'on a pu donc récupérer ici au bout de ce chemin, hein. Donc notre arme que voici, notre belle épée. Ensuite, à l'aide de ce schéma, on a pu traverser ce court petit labyrinthe afin de trouver les bombes, hein, qui, avec celle-ci, on a pu libérer le passage ici. Et donc, du coup, pour cet épisode 2, mes chers amis, je vous propose qu'on continue l'aventure, hein, et qu'on passe cette porte que nous avons pu ouvrir, et ainsi donc voir la suite de notre aventure, où elle nous mène. Ah, ici, on a affaire à un petit combat avec des vers de terre. Psychique. Donc on va se les faire, écoutez. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà fait la bêta une première fois. Donc il y a 2-3 choses que je connais, évidemment d'autres auxquelles je n'ai pas encore pu découvrir. Hop, on va éviter. Aïe, on va éviter, donc je disais les 2-3 attaques sévères de terre, ces asticots, j'ai envie de dire psychiques, mais de temps en temps c'est assez difficile, mes chers amis. Hop, 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 on va y arriver, nous sommes presque au bout de ces mobs. On va arriver au bout de cette jeune demoiselle, hein. Cette jeune demoiselle, pardon, assez bizarre. Cette jeune demoiselle possédée. Et hop, et voilà. Du coup, nous libérons le passage, hein, comme vous pouvez le voir. Ainsi, on va pouvoir accéder à un autre niveau. Et on se fait plein de bulles d'expérience, avec lesquelles je pense qu'on va bientôt découvrir à quoi elles peuvent bien servir. Donc écoutez, on va se rendre par là. Et on va aller, ce que je me rappelle, à la plage. Et voilà. On arrive à l'extérieur de la grotte, en pleine mer. On va aller regarder un petit peu derrière ce rocher, si c'est... Non, ce n'est pas encore maintenant. Pour ce que je me rappelle, normalement, il y a quelque chose qui devrait apparaître derrière le rocher. Bon, pour le coup, je ne vais pas vous dire de ce qu'il en est pour l'instant, hein. Derrière ce rocher, donc on verra ça plus tard. Donc ce n'est pas encore pour le moment que cet event va apparaître. Donc du coup, on va aller au niveau des planches et on va se rendre sur cette petite plateforme qui, comme vous le devinez certainement, est bien évidemment une arène. Aïe, ouais, ça c'était obligé que je me prenne son coup. La coince contre le mur, contre le coin, et là, comme ça, on en finit facilement avec elle. On reprend toutes ces petites bulles, on en finit avec lui, on va vite en finir aussi avec ces petits vers de terre. Et donc, du coup, on ramasse les bulles. Aïe! Ah, ça va être un petit combat. Ah là, je suis pas resté. Alors je spam le bouton, mais malheureusement de temps en temps ça marche pas, je ne reste pas tout le temps en hauteur. On va éliminer cette femme possédée. Voilà, chose qui est faite. On va récupérer les petites bulles avant qu'elles ne tombent dans l'eau, ce qui serait un peu dommage, vous voyez. Et là, mes chers amis, on va avoir affaire à quelque chose d'un peu spécial, car on peut considérer ça comme notre premier boss, voire peut-être même réellement le seul qu'on a, hormis le boss de fin qui sera ajouté dans, je pense, la mise à jour suivante. Si je me rappelle bien de ce que le créateur a noté. Donc écoutez, on va y aller et on va se faire le petit boss. Avant ça, petit rafraîchissement, ok. Donc du coup j'arrive sur la plateforme. Hop, ici il va falloir dasher, mes chers amis. Il va falloir éviter chacune de ces attaques. Hop, tac tac tac. Et comme ça, on peut lui donner 2-3 petits coups. Et là pour le coup il va se mettre dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Et là, ça, il va falloir faire très attention, car après il en ressort là où on peut le voir avec les vagues, et ça
ce moment-là qu'il fallait les tuer. Comme d'habitude, donc du coup on le réattaque. Maintenant il va recommencer, donc il va faire ça, c'est sa première phase, il va faire ça pendant un certain cycle. Hop, là du coup il se met là. Donc généralement il se positionne par rapport où vous vous positionnez. Ah, et là il passe en phase 2, mes chers amis. Donc là, il va devenir un petit peu plus furax. Oh, d'accord. Ok, là je l'ai pas vu venir. Moi, on se sera pris un petit dégât. J'avais pas vu du tout ces ondes de vagues. Ok. Le but c'est quand même qu'on ne meure pas après tout. Ok. Il est là. Donc je pense qu'il fait ça pendant 4 fois. Ok. Donc maintenant il va refaire. Là ça s'est joué à peu de choses. Donc du coup on en profite pour lui asséner. Lui asséner, pardon. Pas mal de coups. Et donc comme ça, essayer de lui faire un max de dégâts possible tant qu'on peut, tant que sa tête est à découvert. Allez, on y est presque. Ah, et là on vient de le battre. Parfait. Et là comme vous pouvez le voir, donc il y a quelqu'un qui nous attend là-bas au bout. Et pour le coup maintenant son corps nous permet de... Enfin, on peut s'en servir comme pont, et on va aller voir cette jeune demoiselle, qui n'est autre que la princesse Petit Déjeuner. Écoutez, on va lui parler. Donc comme d'habitude, je vais lire en gros ce qui se passe en anglais, hein, et je vous ferai donc une traduction littérale et grosso modo de ce qui a été dit. Ok, donc elle nous remercie. Donc on lui demande de, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, au fait. Bah, apparemment, elle n'en sait pas plus. N'en sait pas plus, elle a marché toute la nuit, donc dans le désert apparemment, et puis elle s'est retrouvée flottée au milieu de l'océan, pour finalement bah, échouer ici, on dirait. Hein. Donc, Finn lui demande comment elle a bien pu rester en vie, c'est assez impressionnant, effectivement. Ok. Oui, donc apparemment elle a réussi à flotter grâce à un de ses condiments, on va dire, hein. Donc apparemment grâce à la nourriture, donc elle meurt de faim. Parce qu'elle n'a pas pu le manger, évidemment, pour pouvoir rester en vie dans l'océan, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir flotter. Du coup, Finn, bah, il a faim aussi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ses aventures sont en train de creuser un petit peu son estomac. Alors, est-ce qu'elle n'aurait pas un petit peu de pain pour nous? Elle nous demande si elle veut qu'on l'aide à regagner donc la côte. Bah, évidemment, nous, héros et aventuriers que nous sommes, on va lui dire oui. Parce que ça serait quand même bien dommage de lui dire nope. Alors donc on va l'aider donc à retourner sur la côte. Et donc voilà. Voilà princesse Petit Déjeuner, nous sommes retournés à la côte, hein, chose facile, hein, maintenant que nous avons délivré le passage. Donc elle nous remercie, bon nous on lui dit qu'il n'y a aucun problème avec ça parce que c'est notre travail. Et elle nous dit qu'apparemment elle a vu une clé flotter pendant un petit temps au niveau au-dessus de l'eau et qu'elle nous la donne. Ok, parfait. Donc du coup maintenant nous nous retrouvons avec une clé supplémentaire. Enfin, donc un objet supplémentaire dans notre inventaire, donc une clé qui, avec ça, va nous permettre donc sans doute d'ouvrir un passage vers un endroit que nous n'avons pas encore exploré, mes chers amis. Bah, apparemment, ici, elle se demande où est-ce qu'on est. Donc, qu'est-ce que c'est comme île ? Nous, évidemment, nous lui répondons que ce n'est pas une île, mais que nous sommes en dehors donc de la grotte de Marceline. Elle se dit qu'elle est en dehors donc de son territoire et qu'elle en a assez, hein. Ça, apparemment ça commence un petit peu à l'agacer. Donc du coup nous on lui demande si elle a besoin de notre aide, hein, pour retourner dans son royaume. Elle nous dit que non, tout ira bien, que finalement elle va rester un petit temps ici et que c'est pas plus mal. Ok princesse, pas de soucis avec ça. Alors maintenant on va lui reparler, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Donc cassage d'œuf, un prank, je crois que c'est ça, hein, c'est genre omelette ou un truc comme ça, enfin bref, c'est par rapport au petit déjeuner, hein, donc ça a un rapport avec des œufs. Hein, je traduis en gros gros littéral, hein, j'ai envie de dire. Ok, oui, c'est ça apparemment, ok. Donc connaître ça.
Ok, d'accord. Donc ici, elle est en train de nous tenter à des choses malsaines, j'ai envie de nous dire. Écoutez, bon, on va le faire, donc vous étonnez pas si durant le let's play ou cet épisode-ci, nous aurons droit à quelques floutages ou à quelques petits censurations, n'est-ce pas? Je vous l'ai prévenu, de toute façon, ceci est un let's play plus 18. Et en l'occurrence, donc, on aurait affaire à certaines petites intervenances en not safe for work. Donc écoutez, pour avoir droit à un succès, je n'ai pas d'autres options, hein, n'est-ce pas? On va mettre le not safe for work en show. Et on va voir ça, puisqu'apparemment elle me le demande de le mettre donc en visible. Donc résume. Voilà, enfin donc on va continuer le jeu. On va lui reparler. Ok, cassage d'œuf. Ok, donc là elle nous redit la même chose. Donc elle dit qu'elle voit. Ok, donc elle nous parle de Marceline et on se demande qu'est-ce qu'elle a en tête. Et elle nous dit qu'elle va apprécier ce que elle va faire avec les œufs. Ok, Ok, d'accord. Là, tu as un plan derrière la tête, ma grande, mais là, tu viens de disparaître. Donc là, elle est en train de mettre son plan en exécution. Je ne sais pas trop, ou plutôt j'ai une idée derrière la tête de ce qu'elle veut faire. Écoutez, on verra bien. Pour l'instant, on a une clé en notre possession, mes chers amis, et on va aller se rendre. Donc, à la suite de notre aventure, voir ce que cette clé, pardon, va nous permettre d'ouvrir. Ok. Ah. Je suis tombé lamentablement en bas. Je ne vais pas refaire donc tous les mobs éternellement. Ça pourrait me faire des bulles en plus, écoutez, mais pour l'instant, j'ai envie de dire les bulles, on n'en a pas encore réellement besoin. On n'a pas affaire à quelque chose de bien dangereux. Je vous expliquerai plus tard de quoi il en retourne. Ok, donc apparemment, on a quelque chose qui permet donc d'ouvrir cette porte. Donc on va l'ouvrir. Et on va s'y rendre, on va repasser en vue à la première personne. Ce qui va être quand même plus agréable au niveau de l'exploration, mes chers amis. Donc apparemment, ici, on est dans une salle de glace, à l'intérieur de la grotte de Marceline. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? On va aller se rendre là, ici, hein, donc au niveau de ce genre de petite chambre, et voir de quoi il en retourne. Alors, donc. Ah oui, ok, non, mais donc très bien, il y a des chouettes posters ici, hein, j'ai envie de dire. Donc, pour rappel aussi, donc le créateur du jeu, donc c'est un infographiste hein, qui fait quand même pas mal de fan art hein, sur, par exemple, Gravity Falls ou d'autres séries comme ça qu'il aime bien. Et donc, voilà de ce que je pouvais vous en dire, hein, effectivement. Donc, voilà quelques fan art. Eh bien, assez joli, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voilà de ce qu'il en retourne, hein, n'est-ce pas? Bien. On va continuer la suite de l'aventure, mes chers amis. J'ai envie de dire que cette pièce est fournie en poster pour le moins agréable. Bon. Alors, donc on a une lettre ici. On va regarder ce que c'est. Ah, donc oui, donc il y a un papier sur la table. Est-ce que je veux la lire? Ok. Donc, on va lire ça ensemble. Et, enfin, je vais vous faire un bref résumé. Donc, apparemment, on est entré dans une autre dimension à l'intérieur de ce labyrinthe. Hein, c'est quelque chose comme ça. Hein. Donc, apparemment, c'est le labyrinthe qu'on a pu avoir hein, qui est un petit peu dans ce genre de concept. Hein. Ok, donc, apparemment, c'est. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est le roi des glaces, apparemment. Donc, apparemment, chez le roi des glaces. Et il est en train de nous parler donc de ces princesses hein, qu'il est perdu dans les ténèbres, que elles sont là pour le guider. Donc ça sent le plan pourri, mes chers amis. Ça sent le plan pourri de la part du roi des glaces. Ce pervers est ici. Ceci ne m'étonne pas qu'on a affaire à ce genre de poster. Avec ce poster qui change. Donc. De vision à chaque fois qu'on se tourne. Hein. C'est très bien fait, je trouve, ce genre de choses. Hein. C'est un peu comme ce cher cheval qu'on ne voit pas ici d'ailleurs. Qui, à chaque fois qu'on se retourne, se retrouve là, où il ne devrait pas. Ou plutôt, plus tard, vous allez voir où il devrait. Bon, écoutez, il y a encore une lettre ici, on va la lire. Ok, donc il y a un bout de papier sur le sofa, hein, on va voir ça. Ok, donc il voit sa douce princesse Bubblegum, hein, donc visiter donc, le donjon, j'allais dire.
Voilà, on peut citer ça pour un donjon aussi, donc pour la grotte de Marceline. Ok, donc elle fait quelques recherches scientifiques. Donc il est en train de regarder derrière la porte, il voudrait espérer la trouver. Et il voudrait aussi rentrer donc dans cette salle. Ok. Ouais, donc il se dit qu'il est con aussi parce qu'il pourrait très bien voler, hein, ce qui pourrait lui permettre de pouvoir rentrer où il veut. Ok. Mais apparemment elle reste donc toujours à l'intérieur pendant un long moment. Ok, mais par contre, donc si elle voit le roi des glaces, du coup elle va directement appeler Finn. Donc du coup, le roi des glaces a une idée derrière la tête. Il va nous faire ouvrir donc d'ailleurs toutes les portes et tous les passages. Et lui, pendant ce temps-là, se déguise en cheval. Ok, donc c'est lui le roi des glaces depuis le début, ce cheval inquiétant, obscène et pour le moins drogué aux yeux dilatés, n'était autre que le roi des glaces. Il veut kidnapper les princesses. Ok, donc son plan est machiavélique, ce pervers est ici. Il va falloir faire quelque chose. Ok, son plan pour lui il semble être parfait. Donc, son plan est en marche dans un costume de cheval. Ok, donc il va falloir qu'on prévienne les princesses là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, mes chers amis. Ce pervers est en pleine exécution de son plan. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ok, on va parler tout de suite de ça à Marceline. Écoutez, on va s'entretenir avec Marceline. En même temps, on va voir ce qui lui est arrivé à la pauvre. J'ai l'impression que les plans de la princesse petit déjeuner ne sont pas très, très honnêtes non plus. On va aller en discuter avec Marceline. On va aller la prévenir. On va voir ce qu'elle va nous dire là-dessus. Donc, on va aller se rendre là-bas. Et on va voir ce qu'il en est. Eh bien, ma chère Marceline, qu'as-tu à nous dire? Tu es là, le roi des glaces. C'est toi. Ah oui, je le vois. C'est son air obsédé. Il est fou. Alors, donc... Mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à Marceline? Mon Dieu, mais... Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, Marceline? Il s'est passé quelque chose de bizarre, là. Tu as quelque chose d'inconvenant sur ton visage, là. On va te poser la question, écoute. Oui, donc ton visage, oui, il s'est passé quelque chose, là. Finn a l'air de se demander qu'est-ce qu'elle a sur le visage. Bon, apparemment, donc... Marceline n'a pas l'air de se douter de ce qu'elle a sur elle, hein. Se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, Finn lui dit qu'elle a quelque chose sur son visage. Non, quelque chose de gluant. Qu'est-ce que ça peut être? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, Marceline? Qu'est-ce que ça peut être? Elle se dit quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose que... Qu'est-ce que j'ai sur... Donc, elle se pose la question. Alors, donc, du coup, Finn lui fait... Ok, non, je pense que ce sont des œufs cassés. Ok, d'accord, donc ce sont tout simplement des œufs cassés, ok, donc on lui fait ça pendant qu'elle dort, écoutez, c'est tout à fait normal, donc pas d'inquiétude, ce sont des œufs. Ne t'inquiète pas, ma chère Marceline, ce ne sont que des œufs, hein, donc on se demande pourquoi on avait ce genre de choses, hein, donc ok, donc on lui demande même de se regarder dans le miroir, hein, histoire de voir qu'est-ce qu'elle a et de la rassurer. Ah bon, évidemment, elle nous traite d'idiot, hein, est-ce que c'est sérieux? Je suis un vampire, je ne vais pas aller me regarder dans le miroir. Donc elle ne peut pas croire qu'on lui fasse ça en dormant. Bah écoutez, c'est un jeu vidéo assez tendancieux, je vous l'ai dit. Donc malheureusement, il arrive des choses au personnage pendant qu'il dort. À pauvre Marceline, voilà ce qui t'est arrivé. Alors Finn, du coup, il se dit que c'est évidemment la princesse petit déjeuner. Ok, donc elle nous a fait cette farce, la princesse petit déjeuner. Ok, tu es une fourbe, ma grande. Ok, donc le mieux, c'est qu'elle prenne une douche, hein, qu'elle dit. Donc, histoire qu'elle s'enlève ses œufs sur le visage. Écoutez, donc on va faire ça. Donc, pour le succès, on va aller voir Marceline, n'est-ce pas? Donc, il y aura de la censure, évidemment, mes chers amis. Donc, vous l'aurez compris. Alors, ici, comment je vais faire pour... Je vais me mettre ici. Est-ce que là, ça marchera? Est-ce que comme ça, ça va aller? On va faire comme ça. Il faut que le cheval se positionne au bon endroit. Alors, est-ce qu'ici, ça ira? Ok. On va se mettre près du divan. Ah, ok. Et voilà. Ok, d'accord. Voilà,
mes chers amis, donc on a droit du coup à notre succès. Pour vous, vous n'aurez rien vu. Nous sommes vraiment aussi des gros pervers à regarder cette pauvre Marceline prendre une douche après se faire casser des œufs sur le visage en ayant un doute sur ce qu'elle a pu avoir pendant son sommeil. Nous sommes en train de la regarder en train de prendre une douche. Ce n'est pas convenable. Bien. On va repartir maintenant après s'être rincé l'œil. Et on va faire la suite de notre aventure, mes chers amis. Quoi de plus normal? Après ce genre de passage, Finn, tu es un petit coquin. Bien. On va continuer l'aventure, mes chers amis. On va aller voir où on en est. Ok, donc on a affaire à la suite à ces chers vers de terre, ces chers petits asticots. Et du coup, ça nous fait des bibules supplémentaires. Ok, ok. Bien, bien, bien. Donc on va aller par là. Donc ici, ça c'était les bombes. Hein. Écoutez, on va aller de ce côté, hein, j'ai envie de dire. On va regarder ce qu'on peut trouver par là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a un symbole ici par terre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a un genre de type bizarre qui rigole, hein, avec un yeux exorbité sur le côté. Hein, il fait des yeux xobidiques, comme dirait l'autre. Ici aussi, donc apparemment on va retenir gros œil gauche, hein, donc gauche-gauche. Gauche-gauche, droite. Et ici, j'ai pu voir de l'autre côté que c'était droite. Ok. Écoutez, on va continuer à explorer, hein, tous ensemble. Hein. Je vois qu'il est bientôt la fin de l'épisode. Hein, après s'être installé sur cette pauvre Marceline qui a reçu de l'œuf sur le visage, pris une douche. On va aller donc du coup terminer cette aventure avec un endroit qu'on n'a pas encore exploré. Hein, donc on va aller par ici. Ah là là, princesse petit déjeuner, tu nous as fait une belle farce, hein, franchement, heureusement c'est de l'œuf, hein, j'ai envie de dire. Bon, on va aller par là. Et on va aller du côté droit. Un endroit qu'on n'a pas encore été voir, mes chers amis. On va aller par là. Et nous avons une nouvelle étoile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette nouvelle étoile? Écoutez, on va appuyer dessus. Ok, donc maintenant on peut dasher dans les airs, hein, ce qui va nous être plutôt utile, hein, mes chers amis. Car ce genre de choses va nous permettre de nous rendre dans des endroits que nous n'avons pas encore réussi à visiter. Comme ici par exemple, hop, voilà, et du coup on a le passage un peu plus rapide plutôt que de devoir tout contourner. Donc ici nous sommes déjà allés, hein, donc c'est la chambre froide, hein, j'ai envie de l'appeler, chambre du roi des glaces. Alors par ici, donc c'est une porte, hein, qu'on ne sait pas encore déverrouiller, pardon. Donc on va se rendre ici, écoutez, on va passer par ce petit tunnel, et du coup on se rend ici. Ok, donc on va monter là tout en haut, hein. C'était un endroit que je voulais visiter. Ah, et là on retrouve donc ce même symbole, hein, que nous avons pu avoir l'occasion de rencontrer sur les plateformes que nous avons par là. Donc on va voir de quoi il en est. Ok, qu'est-ce que c'est cette chose? Ok, donc si on retape dedans, ok, donc il nous redit la même chose. Donc on va aller par là. Heureusement qu'on n'a pas des dégâts de chute, hein. Et on va en parler à cette pauvre Marceline qui maintenant, je suppose, est redevenue normale. Oui, tu es quand même bien plus belle comme ça, Marceline. Alors, donc, The Metal Face, ok, donc on va lui parler, donc, apparemment, du visage qu'on a vu, hein, le visage métallique. Oui, donc, apparemment, donc, il y a une machine avec une drôle de face, hein. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit, Marceline? Non, apparemment, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Donc ça doit être quelque chose de mécanique, peu importe, ok, donc tu nous dis pas plus, continue à dormir, nous on va aller se charger de se renseigner à Bimo, peut-être que Bimo sera de quoi il s'agit, écoutez, on va aller lui demander. Alors Bimo, oui, apparemment, donc on peut poser la question à Bimo, on va demander de quoi il retourne à Bimo, ok, ta-ta-ta-ta, donc apparemment ça ouvre un portail, des yeux lumineux. Donc les yeux lumineux, ok. On peut appuyer sur les boutons des yeux lumineux. Écoutez, mes chers amis, c'est ce qu'on va faire. On va aller appuyer sur ses yeux. Tout simplement, tout bêtement. Écoutez, c'est un mécanisme comme un autre, j'ai envie de dire. Et donc, on se laissera là, hein, pour cette fin d'épisode. Qui aurait été rudement menée et auquel vous se serez bien rassé l'œil, n'est-ce pas, mes chers amis? Vous ne l'aurez pas regretté, du moins, je suppose. Malgré cette petite censure que vous avez pu avoir eue. Qui est bien évidente, hein. Donc on doit passer par là. Alors, donc, on va passer par là. Et on va retourner donc au niveau des yeux lumineux. Ok, donc
aller par là. Et on va donc parler. Enfin parler, on va pousser sur les yeux. Ok, bip. Donc on a actionné le mécanisme. Donc ok, donc on se souvient que c'était gauche. Gauche. On va faire droite. Et après, je ne sais plus c'était quoi. Gauche. Ok, d'accord. Ok, quelque chose qui vient de sortir apparemment de cette pierre. Ok, donc on vient d'avoir un disque. Enfin, une disquette plutôt, j'ai envie de dire. Hein. Chose qui n'est plus utilisée à l'heure actuelle, mes chers amis, n'est-ce pas? Ok, oui, donc justement, c'est ce qu'il dit. Donc c'est un truc des années 90. Ok, donc... voilà. Mais écoutez, mes chers amis, c'est sur cette action qu'on va en terminer avec cet épisode. Donc du coup, je vous dis à samedi, hein, pour ceux qui suivent mon épisode, mon let's play sur Wario Land 1. Aux autres personnes qui suivraient donc uniquement ce let's play, eh bien, je vous dis à mercredi prochain. Dans tous les cas, on se voit au prochain épisode, hein, pour le prochain let's play. Donc jusque-là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye.